Salut les Chiki, c'est Mouchou, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de Ratchet & Clank, premier du nom. Waouh, il y a la planète des Blarks justement avec des espèces de créatures, une autre planète et une lune certainement. Enfin voilà, et une autre planète encore ici, voilà, bref. Pour l'épisode 16, l'épisode final de Ratchet & Clank, on était aux portes du boss, on avait commencé à l'affronter, on était bien, on était à la troisième étape et on est mort. Pourquoi? Parce que c'est trop dur, parce que le boss de Ratchet & Clank 1 est vraiment une sale race et qu'il est très très puissant. Heureusement, on a un vendeur juste ici qui va nous permettre de nous arnaquer, évidemment. Oui, ça sert à ça, un vendeur. Non, je suis mauvaise langue, hein, pas dans la vraie vie. Hein. Mais bon, c'est vrai que le nombre de boulons que je vais devoir dépenser pour ce boss, c'est inimaginable. Je vais devoir utiliser la PL parce que j'aurais pas assez. La PL, c'est le truc qui me permet d'acheter des munitions à distance. J'aurais jamais assez de munitions pour faire quoi d'ailleurs? Non, visiblement pas besoin. J'aurais jamais assez de munitions pour pouvoir le faire en un seul truc. Bon, du coup, je te laisse prendre. On va l'améliorer de façon à ce qu'il soit pratique pour un boss. Gants à bombe, j'utilise pas, mais bon, après, voilà. Pyro-lanceur, tac, tac, tac. Je vais plutôt regarder de ce côté-là. Gants à bombe, oui, bon, pourquoi pas. Pyro-lanceur, ok, plasma mitraille. Gants ravageur, ça c'est très important. On va le mettre à la place du dévastateur parce qu'on l'utilise jamais. C'était une énorme blague. En fait, j'ai juste mis le dévastateur à la place du visibombe que je vais pas utiliser. Le gant à mine, gants à mine, pourquoi pas. Gants à mine qu'on pourrait mettre à la place de pyro-lanceur. Je sais pas. Gant à bombe. Tesla peut-être. Tesla pas très pratique. Ouais. Ça me paraît pas mal. Attrape Nigo. Non. Dronomatique. Ouais, mais bon, c'est bon. Je fais start et je fais dronomatique. Comme ça me permettra encore moins de perdre des vies. Quoi d'autre? Crocheteur. Non. Hydrolement. Non. Swinger, je le garde. J'ai toujours. APL. Bon, je fais start pareil. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, c'est ma première tentative. Et je vais la couper si je meurs. Et je vais à chaque fois. Enfin, je vais couper toutes les tentatives que je ferai à partir de maintenant. Là, j'arrête de parler. Enfin, dès que j'arrêterai de parler, dès que je serai arrivé à la plateforme, je couperai toutes les tentatives où je serai mort. Et je mettrai que celle où j'ai réussi. Si ça se trouve, je vais réussir à celle-là. J'espère que ce sera le cas. Parce que sinon, ça va être de plus en plus compliqué au niveau de l'argent. Mais bon, on peut pas prévoir. Je vais faire de mon mieux. Mais bon, tac, allez, hop là. Allez. Oh non! Ah, il est arrivé direct sur moi. Bon, deuxième étape. Donc du coup, tout mon commentary que j'ai fait avant n'aura servi à rien. Hélas, bon, va falloir y aller stratégiquement. J'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait pas, ce que j'utilisais, ce que j'utilisais pas. Je vais me résumer à en final que quelques armes. Et je vais mettre la PL quand même, du coup, parce que ça me sert à rien de garder, par exemple, le grain à bombe. Hop là, APL. Non, le swinger, on peut le mettre ici, là, le swinger. Et en bas, on peut mettre un truc plus utilisé, genre, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai mis de l'aspiro canon, par exemple. Ça peut être pratique. Et là, je mets le grain à mine. Okay. Voilà, comme ça, je suis plus peinard. C'est trop dur. Les gens, je vous jure, c'est trop dur. C'est ma deuxième tentative, là. Enfin, non, deuxième tentative de cette vidéo. C'est ma troisième tentative, du coup, en tout. Et je suis à 20 minutes de vidéo, évidemment. La première partie de la vidéo sera... Enfin, là, c'est comme si j'étais à 5 minutes, à peu près. Vu que j'ai tout remis à zéro. Et que j'aurais coupé la scène. Mais bon, j'ai un temps limité, en plus, parce que j'ai un rendez-vous ce soir. Du coup, je peux pas me permettre de le louper. Et du coup, je vais devoir partir avant... Enfin, j'ai une certaine heure à laquelle je devrais être parti et du coup, faut que je la tienne. J'ai pas un temps limité là devant moi pour pouvoir faire ce boss. J'ai pas envie de le faire demain. Demain, ce sera dimanche quand j'enregistrerai. Ça marche aussi. Ouais, ça marche. Regardez, je suis toujours en mouvement, du coup, je peux pas m'atteindre. Putain, il suffisait que je dise ça. Je regardais trop le boss, alors ça sert à rien de regarder le boss au final, vu que. Donc voilà quoi. Faut regarder les impacts des. Oula, les impacts des missiles. Il a compris mon plan maintenant. Il en envoie trop, je vous jure, il en envoie trop. C'est vraiment un boss des plus compliqués que j'ai fait sur Ratchet & Clank. Tous les Ratchet & Clank réunis,
ils ont pas gagné en facilité les Ratchet & Clank, mais c'est vrai que le boss final des autres jeux est beaucoup plus simple que celui-là. Allez, hop là, au moins on aura une vie de récupérer sur l'autre plateforme, heureusement, parce que sinon j'aurais été mal. Et ça va me permettre du coup de... Voilà. Ça va me permettre du coup de faire quoi d'ailleurs de repartir à 5 vies. La dernière fois aussi, j'ai perdu 2 vies bêtement. Donc que j'aurais pu éviter, mais... Non, le Sunga. Oh, c'était chaud. Vous avez flippé, hein. J'ai complètement oublié de mettre les Swingers. Et vu que j'ai changé de place, en plus, du coup, ça m'a apporté des torts. J'aurais pu... voilà, tac. Super. Allez. Bon, je récupère pas la vie maintenant. J'attendrai qu'il la casse avec une bombe. Voilà, super. Ah, là, c'est bon. Il en fait que 3. Ok, bon. Dronomatique à activer. Super. Bon, je suis reparti. Et dévastateur. Ah, super. J'adore quand il fait ses bombes. Vous avez pas entendu du coup mon commentaire de ma mort d'avant. Vu que... Vu que je ne le garderai pas dans l'enregistrement. Mais... Ce que je disais, c'était que j'adorais quand il faisait les bombes. Parce que c'était ma seule ouverture possible pour l'attaquer, et du coup c'est vrai que ouais, c'est pratique. J'ai vraiment l'impression que ça lui enlève que dalle de vie. C'est très frustrant, c'est très horrible aussi. Je sais plus trop quand c'est qu'il faut tirer d'ailleurs. Après les bombes, après les mines, pendant les mines, pendant les robots, c'est... Et je crois que je suis allé très loin dans ma truc d'avant. Enfin, je lui ai enlevé très beaucoup. Énormément de points de vie. Du coup, je pense que j'étais arrivé à la dernière zone. Il n'y en a pas d'autre après. Super. Bon. J'ai loupé 2 munitions, mais bon. Au moins. De toute façon, j'ai toujours la PL. Voilà, je recharge mon bouclier de dronomatique. Il fait pas très stable, hein, ce bouclier, hein, je trouve, hein, par rapport au bouclier qu'on peut voir dans... Oh non, pas gant à drone. J'aime pas quand ça me recharge en munitions inutiles. Je préfère genre un bon vieux double dévastateur ou un double plaçon mitraille. Oh là là, c'est pas vrai. Oh non. Mais vous me faites pas plaisir en faisant ça, vous rendez compte ou pas? Allez hop là. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ils sont rattrapés sur la fin. Ça fait 4 munitions de dévastateur gratuites. Et il y a pas mal de caisses de munitions là-bas aussi. Mais bon, faut aussi se les choper. Parce qu'elles apparaissent au bout d'un moment. Elles apparaissent pas au début. Allez, c'est parti. On y est. L'affrontement sur... Ah non, c'est vrai. Ou non, je peux pas laisser la planète exploser. Mais lui, c'est vraiment un tocard. Mec. Il veut détruire sa planète, mais il se rend compte que si elle explose, il va mourir. Enfin, il fait ça pour l'argent, mais bon, ouais, c'est que t'as plus besoin d'argent quand t'es... Enfin, je sais pas, peut-être que si, hein, ça se trouve, t'as besoin de l'argent au paradis, en enfer, ou n'importe où tu vailles. Résurrection, réincarnation, je sais pas en quoi vous croyez, mais en tout cas, s'il y a question d'argent après la mort, ça me surprendrait beaucoup, hein. Du coup, à quoi sert de tout détruire, enfin, de vouloir gagner de l'argent si c'est pour après crever? C'est pas très logique. De toute façon, en général, les méchants ont pas forcément des bonnes raisons pour être méchants. Logique, hein. Ce n'est pas une bonne chose de l'être, méchant. 5 vies, ça va. Oula. Ça fait beaucoup de oula. J'en dis beaucoup dans mes vidéos, d'ailleurs, en général. Mais c'est vrai que là... Ah, APL. Ah, je l'ai direct. Salut, Mekai. Et je repasse à 2000 boulons. Ça baisse vite, hein. Dramatique. Super. Dévastateur. Allez, hop là. Je sais pas s'il y a encore des robots. Je sais pas.
Ah mais non, mais c'est vrai, après les bombes, il n'y a plus de robots. Logique, ça les détruit. Avec l'onde. En fait, c'est toujours les ennemis qui nous offrent l'opportunité de les détruire, en fait. Ils nous offrent leur point faible. Bon, j'y vais, hein, tant que je suis en sécurité. Puis là, je suis encore. Voilà, super. Voilà, là, je prends pas de risque. Je suis hors de tout danger, normalement. Normalement, j'ai bien dit. Oh non, peut-être pas. Oula, les mines, là, j'ai failli prendre cher. Bon, ça va, il va détruire des mines avec ses missiles, vu toutes les mines qu'il y a par terre, ou au moins des robots. Allez. Vous voyez, il y a des ralentissements quand il y a trop de trucs sur la map. Ouf, c'était chaud. Oh non! Oh, c'était petit ça, de faire deux trucs à côté. Oh non. Ça, je déteste ça. Perdre deux vies d'affilée comme ça. Allez, hop là. Je peux pas me permettre de perdre deux vies. Non! Oh oh! Non! Non, c'est pas vrai. Je déteste ça. Normal, j'ai envie de gagner, mais bon. Déjà? Bon, attendez. Je m'arme de la PL. Tac. Heureusement que le jeu continue pas pendant que. Là, je suis proche de la fin, alors. Mais après, il fait une nouvelle attaque, donc. Faut que je fasse gaffe. J'ai qu'un certain nombre de temps. Ça va, il tue ses potes. Moi, ça m'arrange. Ouf, c'est bon, je suis sauf. Presque. Par contre, on a une nouvelle attaque au bout d'un moment. Et c'est très dévastateur. Enfin, c'est dévastateur. Oula, allez, j'avais pas vu mon bouclier dramatique. C'est très dévastateur dans le sens où je peux plus prendre le placement mitraille quand il fait cette attaque parce que je prends des risques en la faisant. En prenant le placement mitraille. Je crois qu'il va le faire là d'ailleurs. Ouais, c'est là. Regardez. Voilà, c'est ça, c'est ce truc horrible. Ah, super, une bombe. Je réclame des trucs comme ça, moi. Je réclame des attaques de lui. Ah, il refait son truc. Ça, pour l'instant, le terrain est libéré, du coup. Tant qu'il crée pas de bombes ou de mines. Ça, c'est facile à esquiver, du moment qu'on n'est pas sur le glisserail. Je crois que j'ai dit blason mitraille, d'ailleurs. Ça devient un peu chaud. Ah non, ça devient trop chaud. Allez hop. On a sur le coup. Voilà. On est bien parti. Bon, tant pis, j'y vais comme un bourrin au niveau des munitions, tant pis. J'ai pas trop le choix. Ouais, yes. Oula, dramatique. Ah, mince. Oh non, c'est quoi ce machin? Oula. Je sais pas si j'ai perdu de la vie. Non. Il en reste 3 toujours. Putain, y a ces nouvelles attaques là, c'est ce truc horrible là. Oula. J'ai failli me prendre un coup. C'est horrible. Mais franchement ce boss, mais vous le trouvez pas affreux quoi? Franchement.
Même en étant des hardcore gamers, je sais pas, c'est, il est horrible quoi. Enfin, il est pas horrible dans le sens il est dur parce que il y a un système de saut horrible ou des trucs comme ça, des trucs à la JD qu'on peut voir dans les jeux de joueurs du grenier, mais il est horrible dans le sens où voilà quoi, enfin niveau difficulté par rapport au jeu, comment est le jeu, il est vraiment horrible. Bon, en fait, il est long, il demande des boulons. Parce qu'on n'a pas de tel, parce que je pense qu'avec le tel ça, ça y irait beaucoup mieux. Enfin, bon. Puis quand tu... Ah, enfin une bombe. Mais je vois rien. Mince. Les derniers missiles ne l'ont pas atteint. J'avais pas vu que ça le visait plus. Faut que je sois plus économe. Facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Oh non, c'est pas vrai quoi. Il refait des missiles. Allez, après les missiles, s'il fait des robots ou des mines, allez. Il fait des robots. Allez hop là, top, drone automatique. Il reste plus rien comme vie, là je peux le battre. Oula, par contre, là faut que j'esquive son tir. Heureusement j'avais mis le drone automatique. Là c'est dur parce qu'il y a son... Vas-y, détruis des potes. C'est vraiment très dur. Oh non mince. Appel. Allez hop là, tac. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Au moins, tac. Ça me suffira. J'ai plus que 2 vies. Vous croyez en moi? De toute façon, si vous voyez cette partie enregistrée, ça veut dire que ce sera la bonne. Donc. Enfin, on passe à autre chose, je veux dire. Mince. Pas ça, pas autre chose comme ça. C'est les deux attaques sur lesquelles je peux rien faire, alors arrête. Je sais pas, créer des robots, des mines. Ah, des bombes, bon. Je préfère les bombes. Ouais, promets-moi de créer des robots après. Que je puisse l'achever. Voilà, super. Oui. Ratchet, Chizako. Tu sais, cette fois, je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Ah, on va devoir détruire la planète des blagues. C'est super cruel. Mais bon, voilà. Bon, tant pis. Boum. Le mécanisme de mon bras semble être cassé. Comment ça, cassé? Cassé comme dans « on va se fracasser », c'est ça? Ouais. Ah, ça va faire mal!
ben dis donc. Oh la vache. Mon bras semble être très, très endommagé. Non, mais ça se répare, ça. Où est-ce que tu vas comme ça, petit bonhomme? Hé, on n'a pas un bras à réparer? Et voilà! Une fin digne de ce nom. Digne de ce nom, je dis ça parce que si vous avez regardé mon gameplay, mon let's play, à chaque fois je dis gameplay, mon let's play sur Jack and Dexter, vous aviez remarqué que je n'ai pas trop apprécié la fin parce que je trouve que la mise en scène était un peu laissée à désirer. Je l'ai trouvé un peu expédié, on va dire. Et alors que là, on a droit à quand même une vraie fin, la fin pour le méchant, la fin pour la planète du méchant, la fin pour les gentils et l'association à la fin. Enfin, c'est vraiment. Ils ont pas expédié la chose, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est quand même mieux foutu. Mais bon, après, c'est vrai que Jack and Dexter était le premier de la série, il bénéficie d'une meilleure mise en scène par la suite, quoique légèrement inférieure à celle de Ratchet & Clank. Mais bon, ça c'est peut-être un point de vue très personnel, mais c'est vrai que Ratchet & Clank, il a une place toute particulière dans mon cœur par rapport à celle de Jack and Dexter. C'est vrai que c'est un jeu qui a bercé mon enfance, et plus que Jack and Dexter, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et c'est vrai que le gameplay est hallucinamment bien, alors que là on était que sur le premier, il était déjà vraiment pas mal, mais les deux prochains, le 2 et le 3, ont des gameplays phénoménaux, vraiment géniaux, beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de gadgets. On va peut-être essayer d'acheter des armes, enfin là j'ai plus beaucoup de boulons, mais essayer d'acheter des armes si je peux, que j'ai pas pu acheter jusqu'à présent, pour vous montrer un peu ce que vous avez loupé, et peut-être que je refais une vidéo si je farm un peu du jeu dans le jeu, que je referai une vidéo avec le Telt, mais bon, ça n'étant rien, je pense que je vais pas me... Enfin, je j'ai pas trop la motivation de farmer dans le jeu, donc voilà. Alors, Mark 16, Ratchet et Skid Mark Marks. Et il marque juste un Ratchet ou quoi? Ah non. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a un mec qui s'appelle Martial le Minot. En fait, ils sont plusieurs à faire les voix, en fait. Enfin, je veux dire, les voix sont faites par... Enfin, plusieurs voix sont faites par les mêmes personnes. C'est ce qui est logique, ça réduit les frais, et puis même quand t'es doubleur, en général, tu sais transformer ta voix pour prendre une autre intonation et un autre timbre, ça, ils savent le faire. Voilà. Bon, j'espère que ce jeu vous aura plu, hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, ça veut vraiment plaisir, mais bon, on est loin d'avoir fini, étant donné que tous les jeux de Ratchet & Clank qui sont sortis sur PS3, déjà on va devoir finir la trilogie, parce que je suis vachement plus emballé de faire cette trilogie là que Jack and Dexter. Non pas que j'ai pas envie de faire celle de Jack and Dexter, mais j'adore tellement Ratchet que le moteur Ratchet & Clank a été conçu par des techniques créées par Naughty Dogs. Ah oui, voilà, donc ils étaient en association, hein, Naughty Dogs et Insomniac. En gros, c'est Naughty Dog qui a donné des fils à Insomniac pour développer leur jeu, donc ça c'est vraiment très cool. Les Naughty Dog, c'est ceux qui ont fait Jack and Dexter justement, c'est pour ça qu'il y a des petites références dans l'un et dans l'autre jeu. Vous verrez par exemple un grand poster de... non, je vous dis rien, vous verrez plus tard. De toute façon, vous aurez l'occasion de... Ah, Gollum. Vous aurez l'occasion de le remarquer par vous-même. Mais voilà. Vous avez du mal à dompter vos épis? Vos démangeaisons dans le bas-ventre sont de plus en plus douloureuses et embarrassantes? Est-ce que vous sentez mauvais? Alors voilà ce qu'il vous faut. L'hygiénateur personnel Gadgetron. Je m'appelle Robert... McQuack. Et cette petite merveille peut vous aider à effectuer tous les soins de beauté qui sont trop difficiles à faire tout seul. Laissez-moi vous montrer. Comme ça, je veux pas en voir plus. Vous avez 11 boulons en or sur 40, ce qui est ridicule. Ah ouais, cool, à bas le président, un même trophée en or. 0 armes en or sur 10, ce qui est logique vu qu'on peut avoir les armes en or que à partir
je sais pas comment on appelle ça, enfin, du retour à la case départ, et un point de compétence sur 30, ce qui est complètement ridicule. Mais bon, c'est pas grave, j'avais dit que je ferais pas le workshop, j'ai dit que je ferais un let's play, donc c'est pas pareil, enfin plutôt un playthrough, ce qui est pas pareil, étant donné que l'un est de faire le jeu en entier, l'autre est de faire le jeu que la campagne, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. De toute façon, ce concept est quand même plus intéressant que l'autre, parce que comme ça, je passe pas des heures à chercher, sachant que je connais pas à l'avance les emplacements des boulons en or, par exemple, vu que je connais pas les jeux par cœur. Alors voilà, à la fin de chaque ratchet, on vous demande de soit de remonter le temps avant ta victoire sur Drake, c'est-à-dire de remonter le temps, oui, de revenir avant l'affrontement final, soit de démarrer une nouvelle partie avec les armes et boulons actuels, c'est-à-dire tu reviens à la case départ, mais avec ce que t'as déjà accumulé, donc tu peux faire, tu peux refaire l'aventure autant de fois que tu veux, avec de plus en plus d'armes, etc., etc. Et ça, c'est valable pour tous les Ratchet & Clank. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais d'habitude, dans les Ratchet & Clank suivants, quand tu reviens tout au début du jeu avec tes armes et tes boulons actuels, eh bien, la difficulté est accrue et t'augmente au fur et à mesure que tu reviens à chaque début d'aventure. Donc voilà, je sais pas si c'est le cas là ou si c'est juste un nouveau début de partie. On va le faire ou on va charger sur cette partie là. J'espère que je fais pas de bêtises parce que j'ai pas fait de sauvegarde si je dois. Bon, c'est pas grave. L'auto qui zip, la level 1, heure locale. Est-ce que je peux? Oui, je peux passer la cinématique. On va le faire quand même. Vous l'avez déjà vu. J'espère que vous vouliez pas en voir plus. On l'a déjà vu de toute façon. Référez-vous à l'épisode 1 si vous voulez revoir ces cinématiques. Il est toujours sur YouTube. Voilà, tac. Et nous voilà au début. Voilà, c'est ce que je disais par rapport à l'ambiance de Veldin, ça change. Hein. C'est la même planète qu'au début, que à la fin, je veux dire, mais avec une ambiance complètement différente. Et la musique aussi qui a complètement changé. On est vachement plus. On a vachement plus de luminosité. Et donc, voilà, j'ai gardé toutes mes armes. Je les ai toutes gardées. Et mes boulons aussi. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de vendeur, ça va être un peu dur d'acheter les armes que... Ah, peut-être qu'il y avait de la PL. Et peut-être que je vais pouvoir les acheter. Ah mais non, tu peux acheter que des munitions. Du coup, bon, mais tant pis. Vous verrez pas les autres armes qui ne servent à rien et qui m'ont servi à rien. Je suis désolé, mais bon, je préfère que ce soit comme ça. Il était pas mal ce vaisseau, hein. Ce vaisseau qu'on n'a jamais utilisé. Enfin si, on l'a utilisé qu'une seule fois, mais il s'est crashé. Tout petit, mais bon, il est pas mal. Enfin voilà. Donc j'espère qu'on se retrouve très vite pour l'aventure de Ratchet & Clank 2. Ça me ferait beaucoup plaisir que vous soyez là pour à mes côtés pour voir l'aventure, la poursuite des aventures du Lombax et de son ami robotique. Et oui, Ratchet est quand même un Lombax, c'est une race extraterrestre évidemment. Et ouais, j'espère que vous serez nombreux à suivre la prochaine aventure de Ratchet & Clank. N'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un dislike en fonction de si la vidéo vous a plu ou pas. À vous abonner à ma chaîne pour justement voir ce qui se passe après la défaite de Drake. Étant donné que le scénario se poursuit dans Ratchet & Clank 2 juste après la fin du 1, enfin pas juste après mais après la fin du 1. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Oui, n'hésitez pas à passer aller voir sur ma chaîne ce que je fais d'autres. Par exemple là j'ai commencé Red Dead Redemption, je fais The Last of Us, je fais Jack and Dexter que j'ai fini, Lego le Seigneur des Anneaux, Star Wars War of the Force 1 et 2, Crysis 2 et Darksiders 1. Et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est tous les let's play que j'ai fini, sauf Red Dead Redemption et The Last of Us, dans lequel je suis en cours. Donc voilà, prochainement, vous verrez ces let's play-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai dit, je le redis encore. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir que vous soyez aussi nombreux sur ma chaîne. Je vous remercie à vous pour tout votre soutien et pour tous vos messages et pour tous vos likes et pour tout ce que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de mes vidéos et pour me faire plaisir. Et j'espère que cette aventure se poursuivra encore pendant longtemps parce que j'adore faire des vidéos sur YouTube et j'espère que vous les recevez vous avec plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer et pour me dire quelle vidéo vous voudriez voir par la suite, sur quel jeu, etc. J'ai déjà eu des demandes par exemple sur Dragon Age la trilogie par Isildur 4, je te fais une petite référence Isildur, il m'a demandé Dragon Age, si vous êtes nombreux à me le demander, j'essaierai de le faire le plus rapidement, mais c'est sûr que je vais le faire, mais si vous n'êtes pas nombreux, j'attendrai de finir d'abord les séries en cours quand même, c'est primordial, hein. je peux pas me permettre de commencer un autre truc de commencer un nouveau truc alors que je suis en plein dans d'autres séries, voilà, j'espère que vous me comprendrez, surtout toi Isildur.
Mais voilà, si vous êtes fan de Dragon Age, si vous voulez voir des gameplays sur ce jeu, je me procurerai le jeu sans problème et j'essaierai de vous fournir un let's play dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus pour l'aventure de Ratchet & Clank 2 ou pour d'autres let's play de ma part ou d'autres youtubeurs, je ne vous oblige pas à rester sur ma chaîne, mais regardez des vidéos, faites-vous plaisir, jouez aux jeux vidéo, écoutez de la musique et lisez et faites du sport et tout ce que vous voulez, et faites vos devoirs aussi, c'est très important de devoir, enfin bref, vivez quoi, tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros mouchous et ciao tout le monde, bye.